Le siècle s'achève. Nicolas Alexandrovitch Romanov, 26 ans, fils aîné d'Alexandre III, monte sur le trône de toutes les Russies à la mort de son père, sous le nom de Nicolas II. Un tsar, une fois une nation, telle est plus que jamais la devise de la monarchie. Nicolas II est vite revenu sur les concessions à la démocratie qu'il a dû faire après les troubles de 1905, à la suite de sa défaite contre le Japon. Autocrate et conservateur, mais aussi mou et timoré, Nicolas préfère vivre loin du tumulte de la ville, à Tsarskoïe-Sielo, où il est né. Après lui, le trône ira au petit Alexis, 10 ans en 1914. Déjà un drame pour sa famille car il est hémophile. Le tsarevitch doit tout de même apprendre son futur rôle de petit père le tsar. Il fait du sport, s'entraîne au métier des armes. 1912, Moscou accueille en son Kremlin la famille impériale pour le 300e anniversaire de la dynastie des Romanov. Tout va bien en apparence pour Nicolas et la tsarine, Alexandra Fyodorovna. L'église orthodoxe, l'autre pilier du régime, aide le tsar à faire de Moscou la troisième Rome. La beauté des rites masque mal l'apathie intellectuelle. L'église vient d'excommunier le grand écrivain Léon Tolstoï. La mort de l'auteur de Guerre et Paix en 1910 annonce aussi la fin d'un monde. Comme bien des régimes restés trop longtemps conservateurs, le tsarisme va tomber au moment où il commençait à bouger. Car la Russie d'avant 1914 est en train de décoller. Le Transsibérien, la plus longue voie de chemin de fer du monde, est achevée. L'industrialisation suit à grands pas. En 20 ans, la Russie a multiplié sa production de charbon par 8, celle d'acier par 5. Elle est déjà la cinquième puissance industrielle du monde. Le capitalisme russe intéresse les investisseurs étrangers. Les Français et les Anglais surtout qui ont souscrit en masse aux emprunts russes. Ils encouragent la construction de grandes usines et par là, la concentration d'un prolétariat qui va bientôt devenir turbulent. Mais la Russie, c'est d'abord un pays rural à 80%. 140 millions de moujiks qui font du pays un monstre démographique, avec la natalité la plus forte d'Europe. Les paysans sont en grande majorité illettrés. Mais l'enseignement primaire est devenu obligatoire en 1908. Le Premier ministre, Stolypine, encourage les paysans à sortir du mire,
la communauté agricole traditionnelle. C'est la meilleure époque pour le paysan individuel depuis l'abolition du servage en 1861. Le rôle des propriétaires terriens recule peu à peu. La Russie est l'un des premiers exportateurs du monde de blé, dont la production a presque doublé en 15 ans. Déjà, l'on voit apparaître le riche fermier, le koulak, qui sera l'une des premières victimes des tempêtes toutes proches, en attendant la collectivisation plus lointaine. Le koulak, mais avec lui l'agriculture et le peuple russe tout entier, qui ne se remettront jamais de ce drame. Les grands fleuves, dont la majestueuse Volga, sont un foyer d'activité traditionnelle, avec ses bateliers, ses pêcheurs. Mais aussi un trait d'union entre des villes en pleine expansion. Une bourgeoisie cultivée, une classe moyenne s'y développe, ainsi qu'un début de vie politique. Quatre doumas ou parlements se sont succédés depuis 1905. Tous les partis y siègent, y compris un groupuscule dit bolchévique. Les gouvernements sont nommés par le tsar, mais ils ne sont pas tous à son goût. Vite, le créateur du Transsibérien a été écarté. Stolypine, l'autre réformateur à poigne, est assassiné. Le tsar se retrouve seul une fois de plus, seul avec des ministres médiocres et des courtisans douteux. Ainsi, l'aventurier Raspoutine, guérisseur et débauché, occupe une place excessive à la cour, sous la protection de la tsarine. Il sera assassiné par le prince Youssoupov en 1916. Mais entre-temps, la parole est aux armes. La Russie, alliée de la France et de la Grande-Bretagne, se mobilise pour soutenir son petit frère serbe. On a d'ailleurs rebaptisé Saint-Pétersbourg autro-germanique en Petrograd. La guerre sera encore moins fraîche et joyeuse qu'à l'ouest. Certes, elle commence par quelques victoires. Mais la situation se retourne en 1915 avec une percée des Allemands en Pologne, en Lituanie et en Ukraine. Après quoi, on s'installe dans la routine d'une guerre de tranchées tout aussi meurtrière qu'à l'ouest. 4 millions de morts russes en 4 ans, des centaines de milliers de prisonniers. Tout cela pèsera lourd à l'heure du bilan. Certes, grâce à son effort industriel, la Russie a maîtrisé les nouvelles techniques de la guerre. Ses premiers avions ne sont pas en retard sur ceux de l'Ouest. Mais l'économie est complètement désorganisée par l'afflux des réfugiés et les problèmes d'approvisionnement. L'hiver 1916-1917 est particulièrement difficile. Et puis, il y a les centaines de milliers de blessés qui reviennent du front, témoins vivants des défaites. La prothèse devient une véritable industrie. Nicolas, lui, commet une nouvelle erreur en décidant dès 1915 de diriger lui-même les armées. Il fait son devoir auprès des troupes tandis que l'église bénit les tranchées, mais du coup, le tsar a perdu le contact avec sa capitale. Or, l'agitation grandit à Petrograd, où une grève générale a éclaté le 23 février. Les manifestants réclament une assemblée constituante.
Le régime va tomber sans résister en moins d'une semaine. Un gouvernement provisoire est formé par la Douma, présidé par le prince Lvov. Il ne compte qu'un seul socialiste, un avocat de 36 ans, Alexandre Kerensky. Quant au tsar, abandonné de tous et en particulier par l'armée, il abdique le 2 mars au profit de son frère, le grand-duc Michel, qui refuse le cadeau. C'est la fin de la monarchie. Le nouveau gouvernement veut poursuivre l'effort de guerre aux côtés des alliés. Il organise de grandes manifestations patriotiques. Les blessés, les mutilés sont honorés. Mais le pouvoir appartient aussi aux soviets, surtout à celui de Petrograd, noyauté par le parti bolchevique et ses grands tribuns. Léon Kamieniev qui dirige la Pravda. Grigori Zinoviev, le futur patron de Petrograd. Surtout Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, le chef charismatique. Enfin, Léon Bronstein, dit Trotsky, ancien révolutionnaire mais bolchevique de fraîche date. Lénine veut d'abord arrêter la guerre. Il est revenu en avril de son exil suisse en traversant toute l'Allemagne dans un wagon plombé, donc avec l'accord du Kaiser. Et beaucoup voient de l'argent allemand derrière la propagande antimilitariste des bolcheviks. Facile en tout cas d'exploiter le chagrin des familles, la lassitude des soldats et les souffrances du peuple qui réclame du pain. Nouvelle manifestation pour le 1er mai, c'est la première fois que l'on célèbre officiellement en Russie la fête du travail. Mais Lénine n'est pas prêt à se réconcilier avec ses frères ennemis socialistes révolutionnaires. Et il exploite les hésitations du pouvoir qui tarde à faire les réformes attendues. Un nouveau gouvernement est constitué le 7 juillet, présidé cette fois par Kerensky. Un autre homme fort est le général Kornilov. Mais sa tentative de putsch fin août échouera. Entre-temps, Lénine relance l'agitation sur le thème « Tout le pouvoir aux soviets ». Des soviets dans lesquels les bolcheviks vont bientôt faire la loi. Dans un dernier sursaut, Kerensky hausse le ton contre les bolcheviks et fait arrêter quelques militaires rebelles. Lénine s'exile à nouveau en Finlande. Il revient en octobre 17 à Petrograd, à l'institut Smolny, devenu le quartier général révolutionnaire, peuplé de militants armés. Là, le 10 octobre, Lénine exige la prise du pouvoir immédiate et par la force. Trotsky approuve. Kamieniev s'y oppose, soutenu par Zinoviev. La majorité tranche pour Lénine. Les bolcheviks disposent de 5000 partisans armés. Déjà, les principaux points stratégiques de Petrograd sont entre leurs mains. Reste le palais d'hiver, siège du gouvernement. Il est gardé par 2000 défenseurs, notamment par un bataillon de femmes. Le 25 octobre, le croiseur Aurore sur la Neva fait parler ses canons. Un seul coup, à blanc, mais qui entrera dans l'histoire. Le lendemain, tout est fini. Les ministres ont été capturés, sauf Kerensky qui s'est échappé. À voir les impacts, la bataille n'a pas été rude, mais elle est célébrée comme un triomphe. Les victimes ne sont guère nombreuses non plus. Un miracle, dira Lénine. Plutôt un coup d'État qui va confisquer la vraie révolution, celle de février. L'héritage de février était justement l'élection d'une assemblée constituante. Déception pour Lénine. Les bolcheviks n'obtiennent qu'un quart des voix et des sièges. Les socialistes modérés près des deux tiers. Après une journée de débat le 5 janvier 18, l'assemblée est dissoute par un marin. La garde est fatiguée, dit-il. Rentrez chez vous. La démocratie, elle, est morte
et pour longtemps. Lénine veut d'abord la paix à tout prix pour sauver son régime. Boukharine est violemment contre une paix qui va se traduire par des annexions. Trotsky hésite, mais c'est lui qui va signer avec les Allemands à Brest-Litovsk le 3 mars 1918. La Russie évacue l'Ukraine, les Pays-Baltes, la Finlande. Lénine a gagné son pari, d'autant que l'Allemagne va perdre la guerre à l'Ouest. Une bonne nouvelle en tout cas pour les soldats qui fraternisent sur le front. 3 millions de prisonniers russes vont rentrer, mais ils ne resteront pas démobilisés longtemps. Car une nouvelle guerre civile, celle-là, commence au printemps 1918. Les attaques des Blancs mobilisent le nouveau régime sur le thème de la patrie en danger. Le pouvoir lève en masse une armée de type nouveau, l'armée rouge, des ouvriers et des paysans. ...150 000 hommes en avril, déjà 400 000 en août. Cette armée est dirigée par un ardent tribun et un grand organisateur, Léon Trotsky, commissaire à la guerre. Un rôle clé que Staline aura bien du mal à faire oublier plus tard. En face, on ne trouve pas un chef, mais plusieurs. L'amiral Koltchak contrôle la Sibérie. Yudenich, en Estonie, menace Petrograd, tandis qu'au sud, Denikin tient le Don et l'Ukraine. Parallèlement, des troupes françaises et anglaises débarquent à Odessa et à Mourmansk, à Vladivostok, déjà occupé par les Japonais. Pas plus de 50 000 hommes en tout, mais assez pour encourager les Blancs. Les Blancs attaquent sur tous les fronts. Les 150 000 hommes de Denikin vont occuper Voronej, Koursk et Aryol, à 400 km de Moscou. Un gouvernement contre-révolutionnaire s'installe à Omsk. Un autre, socialiste, se forme à Samara, sur la Volga. Le 17 juillet 1918, les bolcheviks viennent d'assassiner Nicolas II, sa femme et tous ses enfants à Yekaterinenburg, dans l'Oural, où le tsar était interné. C'est le deuil chez les Blancs. Un crime hautement symbolique, mais un parmi d'autres. Car déjà, Dzerzhinsky, dit Félix de Fer, fait régner la terreur à la tête de la Tchéka, premier nom d'une police politique qui s'appellera ensuite GPU, NKVD, KGB. Les premières victimes sont les nobles qui n'ont pas pu émigrer, les bourgeois et autres ci-devant. Ils sont expropriés sous le contrôle des masses. D'autres doivent vendre leurs biens. Plusieurs sont arrêtés et contraints à travailler de leurs mains. Pendant ce temps, Lénine exhorte, fustige, dénonce. Pourtant, malgré tous ces appels, la révolution mondiale n'a pas eu lieu. Du coup, le Comintern, ou Troisième International, est dès le départ dominé par Moscou, devenue nouvelle capitale.
Les conditions draconiennes posées à l'adhésion vont diviser le socialisme mondial pendant près d'un siècle. Cela ne freine pas l'enthousiasme des délégués et prolétaires de tous les pays qui, faute de s'unir, viennent saluer les camarades de Moscou. D'autant que Trotsky commence à recueillir le fruit de ses efforts. L'armée rouge compte maintenant 3 millions d'hommes. Elle utilise des équipements lourds, chars et trains blindés, à bord desquels le commissaire à la guerre parcourt les fronts. Les bolcheviks prennent Kazan, tandis que Denikin est repoussé à Tsaritsyn, le futur Stalingrad, et que le nationaliste Petliura est chassé de Kiev. Partout, le drapeau rouge avance. En Sibérie, où Kolchak est capturé et fusillé, et jusque dans les neiges du Grand Nord. Les rouges échouent dans leur contre-offensive contre la Pologne, mais ils ont maté l'Ukraine, puis la Géorgie. Trotsky a de quoi être satisfait, tout comme les soldats à qui il distribue des montres. L'empire des tsars a été reconstitué pour l'essentiel. L'armée rouge va aussi mater les marins de Kronstadt qui se révoltent en 1921 sous le mot d'ordre « Les soviets sans les communistes ». Le bilan de la guerre civile est terrible. 1 million de morts et le sort des vivants est tout aussi tragique. Les paysans, écrasés par les réquisitions forcées, ne livrent plus une récolte tombée à la moitié de celle de 1913. S'y ajoute un hiver glacial, et c'est la famine qui s'abat sur l'ensemble du pays. Millions de morts, 5 millions, 7 millions, on ne sait. Plus en tout cas que pendant les deux guerres précédentes. Le régime ne cache pas encore ses malheurs. Et le drame de la Russie émeut l'Occident. Les États-Unis se mobilisent derrière l'ARA, l'administration américaine des secours. Sur place, la distribution s'organise, mais le régime devra renoncer au communisme de guerre et à ses utopies. Pain gratuit et répartition égalitaire, interdiction du commerce et de la monnaie. En février 1921, Lénine change de cap. C'est la nouvelle politique économique, la NEP, qui, du jour au lendemain, réhabilite les valeurs capitalistes. La monnaie réapparaît, avec elle le commerce et la propriété privée. C'est la détente. Les petits métiers sont à nouveau autorisés. Les entreprises privées peuvent employer jusqu'à 20 salariés. Les salaires ne sont plus payés en nature, mais en rouble. Un rouble qui se stabilise progressivement. Les paysans, libérés des réquisitions, peuvent vendre leurs récoltes comme ils l'entendent. Une grande bouffe comme on n'en avait pas vu depuis avant la guerre, les guerres, il y a près de 10 ans. Bien sûr, tout le monde n'en profite pas autant. C'est l'époque du Nepman, le nouveau capitaliste. Les petites entreprises ont été dénationalisées, mais pas les grandes, regroupées sous l'autorité du Gosplan, ou plan d'État. La production industrielle a retrouvé puis dépassé son niveau d'avant-guerre. La campagne retrouve aussi la prospérité, avec quelques promesses en plus.
Lénine a proclamé « Le socialisme, c'est le pouvoir des soviets plus l'électrification ». Le programme ne sera appliqué qu'en partie, mais c'est déjà un progrès. Le programme de Lénine, c'est aussi l'éducation du moujik. La médecine se répand dans les campagnes. En 1922, la population a retrouvé sa progression d'avant-guerre, 3 millions d'âmes de plus chaque année. Les soldats ne sont pas oubliés, on les entraîne dans des chambres à gaz spéciales à se protéger contre les gaz de combat. On n'oublie pas qu'ils ont été utilisés par les Allemands pendant la guerre à l'Ouest. Il faut aussi s'occuper des dizaines de milliers d'orphelins que les guerres et la famine ont jetés dans les rues. Ce sera le travail de Dzerzhinsky, le patron de la Tchéka, promu tuteur des enfants sans abri. Une bonne occasion d'appliquer cet autre slogan de Lénine, ou bien le socialisme vaincra les poux, ou bien les poux vaincront le socialisme. Le revers de la médaille, c'est que beaucoup de ces jeunes seront enrôlés comme tchéquistes au service des répressions. Une nouvelle victime est l'Église qui avait été ménagée jusque-là. Le Noël orthodoxe en janvier 1923, puis la fête de Pâques, sont marqués à Moscou par des mascarades anti-religieuses. Le pouvoir encourage les mouvements athéistes, notamment la Ligue des 100 dieux. Mais la dérision ne suffit pas. Les reliques sont profanées, les objets du culte confisqués. Les religieux qui s'opposent sont arrêtés, souvent exécutés. Et l'on n'oublie pas bien sûr ce que le croyant respecte le plus, les icônes. Les nazis feront de même en Allemagne avec les livres, mais 10 ans plus tard. Le totalitarisme se met en place. Dès 1918, Lénine a inventé le terme de camp de concentration. 4 ans plus tard, il appelle à légaliser la terreur. Les socialistes révolutionnaires passent les premiers en jugement. Ils sont suivis par les frères ennemis, mencheviks. Les anarchistes ferment la marche. Tout ce qui n'est pas bolchevique est traqué. Certes, les procès ont encore un petit air « bon enfant ». Mais le code pénal punit déjà de mort tout ce qui aide objectivement la bourgeoisie internationale. Un premier poète, Goumiliov, a été fusillé en 1921. Une seule limite, la répression s'arrête aux portes du parti bolchevique. Lénine peut-il deviner, alors qu'il savoure son triomphe au Kremlin, ce que vont devenir tous ses compagnons d'armes? Trotsky,
exilé puis assassiné. Zinoviev, fusillé. Kamieniev, fusillé. Rykov, fusillé. Tomsky, suicidé. Radek, assassiné dans un camp. Un seul restera, Staline, secrétaire général du parti depuis 1922, mais qui inquiète Lénine. Sa préférence irait plutôt à Boukharine, qu'il appelle l'enfant chéri du parti, voire à Trotsky, bien qu'il lui reproche une assurance excessive. Trop tard. Staline contrôle déjà l'appareil grâce à ses hommes de main, Molotov et d'autres. Il régnera sans partage pendant 30 ans. Le 21 janvier 1924. À 54 ans, Lénine meurt à Gorki, une petite ville près de Moscou, où il s'est retiré malade il y a près de 2 ans. Le régime va lui organiser de grandioses funérailles dans la ferveur collective. Les masses qui le saluent sur la route de Moscou sentent confusément qu'après lui, l'incertitude sera plus grande encore. D'un bout à l'autre de l'Empire devenu en 1922, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. À Moscou, où la lutte pour le pouvoir a déjà commencé, le Politburo ne surmonte ses divisions que pour déifier Lénine. Petrograd devient Léningrad. On édifie sur la place Rouge un mausolée où reposera sa momie. Staline est le grand organisateur de ce culte malgré l'avis de Krupskaya, la veuve du défunt. Le Géorgien sait bien que c'est en personnalisant le pouvoir qu'il créera son culte à lui, l'héritier. Cela, les délégués de tout l'Empire qui se pressent à la tribune le découvriront bientôt. Il fait moins 26 degrés ce jour-là à Moscou, un symbole. La mort de Lénine est tout de suite l'occasion de réécrire l'histoire. Au cinéma, les révolutions russes deviennent des épopées grandioses, à commencer par celle de 1905. On découvre le fameux cuirassé Potiomkin. Février est éclipsé par octobre. La prise du palais d'hiver n'a été qu'un épisode mineur du coup d'état bolchevique. Qu'à cela ne tienne, elle devient un fait d'arme héroïque autant qu'historique grâce au génie d'Eisenstein, le plus grand cinéaste de l'époque. D'autres grands noms font de la nappe finissante une époque bénie pour la culture. Mayakovsky domine la poésie jusqu'à son suicide en 1930. Maxime Gorki garde son talent malgré sa promotion au rang d'écrivain officiel. Le pouvoir ne choisit pas encore entre l'avant-gardisme et la culture prolétarienne, entre le lac des cygnes et les ballets révolutionnaires. En architecture, le constructivisme est à la mode. Mais déjà, le pompiérisme stalinien pointe avec des projets de gratte-ciel à Moscou, ou encore avec les statues de Lénine qui couvrent tout le pays. Les églises sont les premières victimes d'un urbanisme idéologique qui veut faire table rase du passé.
Plusieurs dizaines sont dynamitées de la sorte rien qu'à Moscou. Une autre manière de persécuter la religion opium du peuple, et quand elles ne sont pas détruites, les églises sont remises aux pionniers, les futurs communistes. Ou encore, utilisée pour de curieuses démonstrations. Ainsi, cette icône était miraculeuse, elle pleurait pour certaines fêtes. Supercherie, explique le conférencier. De quoi pleurer, en effet. Rien n'a changé dans la répression, sinon que la Tchéka est devenue l'OGPU. Il y a toujours des contre-révolutionnaires pour remplir les prisons. Et s'il n'y en a pas, on va les inventer. Les derniers socialistes révolutionnaires, Savinkov et son groupe, sont jugés en 24. En 1928, tombent les premières condamnations pour sabotage. Au Politburo, dans un premier temps, Zinoviev, Staline, Kamieniev occupent le devant de la scène. C'est la Troïka liguée contre Trotsky, le premier éliminé. Après quoi, Staline s'allie à Boukharine, l'homme de la droite, pour écarter ses deux compères. Le nouvel ami tombera dans la trappe un peu plus tard. Seul au pouvoir, Staline reprend la politique de ses premiers adversaires et impose en 1928 un tournant radical. À gauche, toute. Cela commence avec la collectivisation. L'agriculture doit être sacrifiée au profit de l'industrie et il faut surtout guérir définitivement les paysans de leur incorrigible mentalité de propriétaire. Ils sont enrôlés de force dans les fermes collectives ou kolkhozes. Quant aux récalcitrants, on emploie contre eux les réquisitions et autres méthodes du communisme de guerre que l'on croyait oubliées. Il s'agit de débusquer le koulak, ou riche propriétaire. Staline a défini en décembre 29 la nouvelle politique, liquider les koulaks en tant que classe. Tous leurs biens sont confisqués, en principe au profit du paysan pauvre qui est invité à se servir. On cherche, on fouille et on creuse. Rien n'échappe à la vigilance des 25 000 agitateurs envoyés dans les campagnes pour accomplir les volontés du parti. Dans ce rôle se font remarquer de tout jeunes cadres promis à une brillante carrière, comme Léonid Brejnev ou Andrei Gromyko. Les victimes sont les paysans qui avaient eu le tort de prospérer, mais pas seulement eux. Sur les 120 millions de paysans russes, 4% étaient classés comme koulak. Or, la découlakisation frappera, selon les chiffres officiels, 15% du total, soit 18 millions de personnes. Les procès qui se tiennent dans les villages sont aussi ceux de toute l'agriculture russe, dont ils annoncent la mort. Il en résultera une famine pire qu'en 1921, avec des millions de morts, notamment en Ukraine. Chaque village s'est vu fixer un quota de personnes à déporter. À la police locale de les trouver.
Les paysans fournissent les premiers contingents massifs de Zek, les prisonniers de l'univers concentrationnaire que décrira Solzhenitsyn. Les camps de concentration vers lesquels convergent les colonnes précèdent de plusieurs années les camps allemands. Ils ne portent pas comme eux d'inscription à la gloire du travail libérateur. Encore que Dzerzhinsky, le père fondateur, y voyait une école du travail. On signale simplement leur attachement administratif, Goulag, ou direction principale des camps, une branche de l'OGPU. Il y a des camps modèles, choisis pour les besoins de la propagande. La propreté y règne. Elle n'a d'égal que le bon ordre administratif. Tous ne sont pas aussi bien lotis. Combien de paysans chassés de leur maison en plein hiver sont morts de froid et de faim ? Combien ont pris le chemin de la Sibérie dans ces trains qui ne mènent nulle part ? Combien ont été débarqués en pleine taïga, aussitôt occupés à défricher un coin de forêt pour quel nouveau chantier du socialisme ? Car l'heure est à l'industrialisation à marche forcée et le goulag devient tout naturellement le premier entrepreneur du pays. Il fournit la main-d'œuvre pour les canaux et les voies ferrées. D'autres travailleurs supposés libres construisent les objectifs plus prestigieux du premier plan quinquennal. La centrale électrique du Dniepr, la plus grande d'Europe, reçoit la visite du chef de l'État Kalinine, puis de Molotov. Magnitogorsk est à la fois une aciérie gigantesque et une ville construite de toutes pièces. Le royaume des Stakhanovistes, du nom du mineur de choc qui a pulvérisé les normes. Mais c'est à 300 000 zec et à eux seuls que l'on doit le canal Baltique-Mer Blanche que Staline inaugure en personne. Une cérémonie intéressante car un homme important se trouve à ses côtés. Stalinien modèle, tombeur et successeur de Zinoviev à Leningrad, très populaire dans le parti, Serge Kirov fait de l'ombre au secrétaire général. Au congrès du parti de janvier 1934, il a été plus applaudi que lui. Le 1er décembre 1934, Kirov est assassiné dans des conditions suspectes. Staline se retrouve seul une fois de plus avec ses habituelles âmes damnées. Mais il vise plus loin encore. Le dictateur a été impressionné par la nuit des longs couteaux au cours de laquelle Hitler s'est débarrassé de ses rivaux nazis. Il va faire de même avec trois grands procès dans la salle des colonnes de la maison des syndicats à Moscou, le procureur général et Vyshinsky. Вот они эти лазутчики и разведчики японского империализма в нашей стране. Вот они, агенты военного министра и армии, собирающие свои силы на рубежах нашей страны для нападения на наши священные границы. Изменников
и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Требует наш народ одного – раздавите проклятую гадину. Tout le monde doit applaudir et faire du zèle, même le grand organisateur du commerce Est-Ouest, Anastase Mikoyan. Iejov, c'est la brute que Staline a placée en 1936 à la tête du NKVD. Il sera liquidé 2 ans plus tard, laissant 2 millions de morts derrière lui. Un autre dirigeant qui n'a pas d'état d'âme est Khrouchtchev, pas encore anti-stalinien. Борьбе со всеми оппортунистами, которые мешали нам вести борьбу за построение социализма в нашей стране. Новая конституция – это победа социализма в нашей стране. Une nouvelle constitution est en effet adoptée en 1936, présentée comme la plus démocratique du monde. L'année suivante, 91 millions d'électeurs soviétiques votent à 99% pour les candidats présentés par le parti. Il n'y en avait d'ailleurs pas d'autres. Dès ce moment, socialisme rime avec stalinisme et unanimisme. C'est toute la société, ou ce qu'il en reste, qui est devenue stalinienne. Вот, товарищи, я предлагаю поднять бокалы за великого Сталина, который ведет нас по светлой дороге к коммунизму. Le guide a eu cette phrase fameuse « La vie est devenue meilleure, camarade. Elle est devenue plus gaie. » C'est vrai à condition de faire partie de la nomenclatura en formation. À condition aussi de ne pas s'écarter de la vérité officielle. La Pravda signifie justement la vérité. Elle est quasiment l'unique journal, puisque tous les autres la copient. Et si on ne la lit pas soi-même, il y a toujours quelqu'un pour vous la lire et la commenter. Ou d'autres saintes écritures dans l'une des nombreuses langues de l'Union. Le parti dirige tout, s'occupe de tout. Lénine avait inventé les samedis consacrés au travail gratuit. Staline, lui, embrigade les citadins pour les envoyer à la campagne, aider aux récoltes. Cela ne peut remplacer la paysannerie décimée, d'autant que les nouvelles recrues s'y connaissent encore moins que les kolkhoziens. C'est cela le collectivisme, et aussi la prise en charge par plus puissant que soi, la chaleur communicative des campings. Les meilleurs ont droit à des bons de vacances en Crimée. Les ouvriers de choc, mais aussi les innombrables bureaucrates que le régime fabrique. Il y avait 600 000 fonctionnaires du temps des tsars, 4 millions en 1928, 7 millions en 1937. Moscou en est plein et les serviteurs de l'État sont de toutes les parades. De même que l'empereur était le petit père le tsar, Staline est le petit père des peuples, bienveillant avec les anciens, à l'écoute des humbles. Il entasse dans un musée spécial les multiples cadeaux qu'on lui fait. Les artistes du peuple et autres sculpteurs émérites
cherche le meilleur angle. Bien sûr, la moindre de ces apparitions est un triomphe. Чтобы они были такими же бесстрашными в бою и беспощадными врагам народа, каким был Ленин. Чтобы они были так же правдивы и честны, каким был Ленин. Чтобы они также любили свой народ, как любил его Ленин. Солженицын écrira que le moment le plus dangereux, c'est la fin. Qui cessera d'applaudir le premier? Le dictateur n'a pas épargné les militaires. 40 000 officiers sont morts dans la grande purge de 1937, dont 3 maréchaux sur 5, 9 généraux sur 10. A commencer par Toukhachevski, le grand réformateur de l'armée. Seul Boudioni aura la vie sauve. Or, une nouvelle et dramatique épreuve va s'abattre sur le pays. Et malgré les nouveaux matériels que lui fournit la toute récente industrie lourde, c'est une armée rouge décapitée qui va subir le choc de la Seconde Guerre mondiale.